qui perce les bras pour Dumoulin, c'est magnifique, magnifique. Et laissez le Carson, il est magnifique cet essai. Oh, waouh, ça c'est un essai signé Kruger. Il a pris l'intervalle qui certait dit Thomas. Et le bon relais de tous les joueurs du Racing. Ça, il s'est trompé, Goussen. Qui a pas pu prendre le bon relais. Qui trouve Mike Phillips. Mike Phillips, la passe magnifique. Pour essai de servir simplement. Il aurait pu faire une passe simple. Bon, il fait une espèce de schistera. Et derrière, voilà Kruger qui inscrit son doublé. Qui protège bien son ballon. Qui est des avants dans la ligne. La transformation de Bruno. Avec encore du soutien sur les extérieurs. Mais attention, Van der Berg. Qui va venir, et là la passe de Brugno qui permet à Kruger qui est en deuxième ligne mais qui pourrait jouer au poste de troisième ligne aussi. On va tenter le coup sur le côté fermé avec le passage de Kruger qui réussit à donner à Cronieux. Avantage en cours pour le Racing. Cronieux. Par Guir, le ballon est toujours pour les Racingmen avec Kruger. Kruger qui est ceinturé et mis au sol par Yann Navid. Sexton blessé peut-être. Mais avec un ballon qui ressort, même sens, on insiste encore maintenant avec Kruger qui est passé. Ouais, le géant sud-africain qui fait jouer après contact. C'est... Machno, remise intérieure pour... Avec Dulem pour Kruger, le Springbok pris et mis au sol. Avantage en cours donc pour le Racing, Machno joue. Sur le fermé, Kruger. Charge de Kruger sur Ficou, ceinturé. Défense toulousaine, du monde que vous suivez évidemment en intégralité sur les antennes de Canal. Allez, première incursion du côté du Racing. Machno qui relève cette balle pour Kruger. La défense rochelaise pour l'instant qui cède. Du sang malin à enchaîner. Avec Kruger, pourtant très puissant mais qui n'avance pas. Allez, pas de solution pour l'instant pour les attaquants du Racing. Il va falloir au prix de nouveau. Allez, le Racing qui n'arrive pas à sortir de son propre camp avec Kruger. Mais Kruger, c'est fait. Kruger qui a trouvé de l'espace. Le petit coup d'œil sur l'extérieur pour trouver un partenaire. Marc-André qui va venir au soutien. Bien pris par Jean-André Kier. Impressive debut for him. Tim in a little bit and just to prevent the Samoans from spreading their defense. Strong work by Jean-André Kier. Jean-André Kier with support into the corner. Mornay Steyn out of the number five, DeAndre Kruger. Bien capté encore une fois par Kruger, la combinaison dans le fermé, pas dans l'avant. À chacun son domaine de prédilection, la touche est bonne. Avec qui? Et le ballon bien capté. Non, elle tombe de droite. Kruger, very safe. Puts here. He has been for that. Here's the Springbok line out. Here's this decision by Jean de Villiers. All indications from Pino. The Televigo wants some territory. Brian Abana cross tackle and Toby Flood over the line. No contest for Jean-André Kruger. Himself into the game at the moment. Stay. Good winning. So Strauss. Won there by Kruger. And only played 9 games of Super Rugby with the Stormers, had a mid-season injury. Crusaders coming through as a possible All Black fly half option. Well, a line-up drive try would do a lot to dispel any doubt that may exist. Step for South Africa against Ireland. No contest from Scotland as Kruger goes up in the middle of the line-out and South Africa able to... Once again, South Africa opting for the retaken line-out rather than the scrum 15 metres in. Mais pas à son meilleur niveau, en tout cas aujourd'hui face à des Rochelais, eux très bien entrés dans le match à l'avantage et qui malgré ici à Paris le lancer de Thomas qui est bien pris par Kruger qui avait capté, qui avait bien lu là dans sa jeunesse. Allez, encore un contre, le ballon récupéré par
par les brévistes. Pour le Racing, le renvoi de Wilkinson capté en deux temps par Kruger. Dans ce top 14, Kruger limite déséquilibré, capte quand même ce ballon. Machenou pour un jeu au pied dans la boîte. Souvent été gêné sur ces points de rencontre, beaucoup de mal à sortir les ballons rapidement. C'est ce qu'il leur faut, il faut qu'ils maintiennent cette vitesse et ça demande peut-être un peu plus de combativité sur ces zones d'affrontement avec les avant Montpellier. Et le score est donc de 27 à 13 après 45 minutes. From the England side, and Adrian Strauss has joined the fray in replacing Bismarck Duplessis. Pester and Mike Catt will be perplexed about going behind early on. Playing for the Leicester Tigers in the English Premiership and getting a first test cap. Now can they get back upfield? Laidlaw with the restart, clear. Challenge in here. First over those. Uprights. Thanks, Cody. Excellent control at the Rus. We've got Brodie Retallick out there. So the kickoff is made. The Springboks leads. Our final quarter awaits us in this test match. Jean-André Kruger from the restart, appearances apiece. Now they want to exit clinically and efficiently. Hooghart Stein Ullefier. Captain, good clean out from South Africa, and yet another strong carry from young Marcel. Kick chase outstanding from South Africa, applying the pressure on Foden. Another strong carry from Kutsia as de Villiers made the cut back. Itzebeth, Itzebeth. Hooghart away to Mornay Stein. Ullefier. Taken down by Habana, and off goes Brian Habana. Taken down by McCaw, just short of the halfway line. Rod Pienaar. Stein throws the dummy. Might have been on outside, but he elected to try and force his own way across. Opportunity here if they can free the ball and go right. It's a bet, go straight ahead though. Over the advantage line. Conrad Smith slowing it down just for that crucial fraction of a second. Good carry and presentation. Farida Prayer, it's a mess. Excellent tackle read. Doucet, remise intérieure, c'est bien fait pour Fritz McAllister. Fritz qui redouble. Les Toulousains qui veulent mettre du rythme dynamique en ce début de match. Vermac. Nyanga, avantage en cours avec l'appui du public du Stade Toulousain qui joue à domicile alors que Montes aussi. Et rentrer avec le numéro 23 vers Toulousain. Montes qui écarte sur Jean-Marc Doucet. En fait, la croisée avec McAllister attaque la ligne, mais il est plaqué. La libération de qualité. Oh, réclame le public. Écarte sur Doucet qui lance Stink Up. Belle charge du pilier Springbok. Vermac maintenant avec Doucet. Fiole encore, beaucoup d'animation avec Mornay-Stein. Encore une sautée. Maya Salévou est passé. Le raffut, la remise intérieure pour Sylvain Nicolas. Beaucoup de rythme, beaucoup de. Dans le camp toulousain, Vermac, ça fait une longue séquence de jeu où les Toulousains n'ont pas réussi à avancer, pas réussi à casser la ligne de défense du Racing. Vermac. Pour Akapoussi Kera. National qui fait son retour dans le top 14 aujourd'hui, box 6. Kera. Il n'arrive pas lui non plus à trouver la faille dans la défense. Poitrenaud. Sauté jusqu'à Yann David. Double plaquage du Racing avec Kera. Percutant près de la ligne. Il est stoppé. Le troisième ligne fidjien. Le ballon ralenti qui va quand même non gicler. C'est une mouche.
Pélissier, oui, le ballon est sorti, il a regardé ses soutiens, il a pris la pression de Kruger, heureusement. C'est fait. La charge du deuxième ligne argentin bien mis au sol par Kruger. Avec Aguillon qui s'est enfoncé un peu plus dans la défense. Il essaie de tenir le ballon. Allez, Gianluari, David Roumieux. C'est un joueur de gauche, notamment. Koukérou. Formé à Toulouse. Oui. Laissez-le là.